Moi, je suis parti en Australie pour aller le plus loin possible de chez moi. Alors, j'ai rien contre mes parents, j'ai rien contre chez moi, mais j'avais besoin de me tester vraiment loin. Le Working Holiday Visa, c'est un visa qui permet de travailler et de voyager. Je dirais que j'ai vécu 10 vies en un an. Les réseaux vendaient du rêve, donc je me suis dit, je vais faire de l'argent de fou direct. Il y a de l'argent en Australie, mais il n'y a pas d'argent facile. J'ai bossé dans une mine d'or, dans le désert australien. Est-ce qu'on peut faire plus atypique que ça? Travailler, voyager, ouais. Working Holiday. Le lifestyle, il est amazing. L'Australie, c'est tellement grand, ça fait la taille de l'Europe, qu'en fait, il y a tellement de choses à voir. Des trucs que tu t'imagines voir que dans des films sur les îles paradisiaques. C'est devenu notre quotidien. Genre. Oui, c'est ça. Il n'y a aucune prise de tête, tu te sens vraiment déconnecté de tous les soucis. Je pense qu'on peut trouver son petit bonheur en Australie. Tout s'était aligné, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Je pense que c'est un truc qu'il faut essayer de faire une fois dans sa vie, quoi, si on peut. Il était temps de retourner en Australie pour essayer de comprendre ce qui faisait de ce pays une machine à fabriquer des destins.